L'autre monde. Ouh là là. Là, les méchants. Le boss de fin du 1, j'en avais un peu chié. Enfin, les guacamoles sacrés. Traverser tant d'épreuves, tu vas maintenant voir la véritable force d'un luchador. Désolé, c'est l'impatience, ça me fait tousser. Mon corps sera enfin capable de supporter ma puissance. Maintenant que les feuilles sont déplacées. Ah, en fait, c'est des morceaux de tacos. Non, de nachos. C'est un super saiyan. Ça sent cette puissance, ces pouvoirs tout puissants. Avec un peu de coriandre et de citron, c'est très agréable. Bah. Alors, Wan, on s'y met? Oh, oui. Voyons qui de nous deux est un vrai luchador. Il a l'air d'être un peu craqué par rapport à moi. Ah, mais attends, il y a deux serpents. Ouais, alors est-ce qu'il y aurait pas de la triche quelque part là? J'essaie de récupérer de la vie, mais je suis déglingue. Ouais, mais cassez-vous! Mais faut que je mette où là? Y'a des mouilles. En plus, je peux pas les esquiver les trucs là, je crois. Ou si, je peux peut-être passer en dessous, mais. De gagner de la vie. Hein. Genre, mais d'où ça me touche, quoi? Ça, le but c'est de péter un dragon, régène, péter l'autre, après t'es full vie pour le deuxième, c'est bien. Et bien plus puissant que tu l'imagines. Amélioré. Mais ça m'arrivera toujours pas à la cheville. Je vais te montrer la vraie puissance d'un luchador. La forme finale. Je veux pas m'arrêter. Je veux pas m'atteindre. J'ai aucun bouclier qu'aucun homme ne peut briser. Allez, viens te battre. Fais pas ta poule mouillée. Comment ça? Quoi? Moi, tu brisais ma défense parfaite. N'importe. Je prends une autre défense parfaite, tu ne pourras pas la briser facilement. Je vais te réduire en miettes, espèce de piaf.
En fait, il faut que je change entre tous les... Ouais, entre les deux. On va l'avoir. Merde. Ah, c'est le pire lever en fait. Une fois que tu l'as chopé, il faut plus le. Ouais, mais je peux pas le faire tout le temps aussi parce que. Ouais, ça m'utilise. Puis ça m'utilise des points. Ça met gros coups. Ah, pourquoi ça va marcher hein? J'ai pété son masque. Oh, il avait pas de moustache. Ah. Et recrache le nachos. Le nachos, guacamole. Et voilà. On rétablit la stabilité des trois mondes. Vous voulez que je renonce au masque? Impossible, il fait partie de moi. Je les ai sauvés. C'est juste la poussière qui produise des trous noirs qui disparaissent. Elle manquera ses poumons. Tu te souviens quand je disais qu'on serait ensemble jusqu'à la fin du monde? C'est une métaphore, hein. Oh, je vois, c'était il y a longtemps. En fait, il devait être en couple avant. Et qui? La structure osseuse est aussi belle que le jour où je t'ai rencontré. Arrête un peu. T'es un bot. Robot. Arrête un peu. N'importe ce qui s'est passé. Nous. Tu étais trop occupé. Moi, tu étais obsédé par la lucha. Tu reproches vraiment encore ça? Je suis si borné. Je jure que je ne serais jamais tombé. Tu es vraiment un pauvre type. Ah. Il est revenu. Il l'a fait. Les trous noirs ont disparu. Voilà, pam pam. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Non, pauvre Salvador! On a réussi, Juan! On a sauvé le Mexiver! Maintenant, allons te ramener à ta famille! Oui, je vais t'ouvrir un portail! Abracadabra, et un portail qui arrive. Mon bâton doit être gelé. Je vais essayer de l'éteindre et de le rallumer.
La histoire et les reliques, le voyage à travers la dimension n'est plus possible. Le voilà coincé. Il a raison. Désolé, Juan. Attends, ça veut dire que Juan sera coincé dans cette dimension pour toujours. Aïe, aïe. À l'intérieur de l'autre mundo, on peut accéder à toutes les dimensions. Je parie que c'est pas facile de s'y retrouver. Mais techniquement, l'autre mundo relie toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Toutes les dimensions. Rien de relié. Mais ça, c'est si on joue en multijoueur. Regarde, le portail s'effondre. Ouais, non. Ne retourne pas, tu seras perdu à jamais. Tant pis, on sera perdu à jamais. Sa femme. Bah si. Justement, il est rentré dedans pour retrouver sa femme, en fait. Voilà. Ah, j'ai oublié que je n'étais pas non plus dans cette dimension. Personne n'est de cette dimension. Ah. Juan. Juanito. Ah. Ah, et c'est maintenant que je trouve la bonne porte en fait. Je sais pas. C'est peut-être une annonce pour Guacamelee 3. Ça va être la fin. Hein. Tout le monde a l'air heureux en tout cas. El poulet d'or. Ouais, je sais pas combien il y a des dimensions, mais il y en a trop quoi. La piñata. Il se fait déglinguer. Et ils devinrent de grands joueurs de football et furent achetés par les Qataris du PSG. Qu'est-ce que ça contre le PSG? Amounieko. Peut-être jamais. Vive l'OL. Yeah. Oh, c'est qui? C'est lui? C'est pas lui? C'est lui? Ah oui, il est revenu avec de la barbe! C'est le Juan! Comment as-tu fait pour revenir? Il a fait toutes les portes. Peut-être que c'est pas lui. Mais c'est fini! Vive l'OL! C'est qui a... Non, mais dis donc. Ouais, il a pas dit l'OM, hein, il a dit l'OL. L'OL, ouais, bah alors. Bah c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Bah c'est bien, non? Ouais, c'est bien. Bravo, non? Ah oui. Bravo, bravo moi. J'ai bien joué ou pas? Ça va, tu veux des confettis, du champagne? Non, mais c'est pour la vidéo YouTube. Rien de Ronald. Ah, c'est normal.